Les activités préférées de maman. Dormir. Regardez. Regardez le téléphone. Non, alors qu'elle est couchée. Tissette, viens voir. Elle arrive, éteins-moi la lumière. Non. Allez. Ça me stresse que c'est à l'envers. Pas toi. Regarde. Pourquoi lui il a toute cette place et moi on ne voit pas? Vas-y, vas-y, je te dégage, je te dégage. Non mais recule-toi déjà. Pourquoi tu es devant nous? Parce que t'as mis la caméra dans ce sens. Oh là là, mon dieu, c'est pas possible. T'as entouré de deux beaux gosses, absolument. La meuf, elle a entouré les deux plus beaux de la France. Ok, bah, la plus belle de France, elle est pas contente. Tu rigoles. Ah, tu rigoles. T'as tes moches. Bon, allez. Ouais, deux, trois. Un, deux, trois. Coucou, tout ça. Non, t'es chez moi, t'es pas chez toi. Un, deux, trois. Salut, salut. Ouais, 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 on recommence, je suis pas prêt, vous croyez où? 1, 2, 3. Salut, salut! Ah, mais c'est chez Disney, ça commence à. Comment ça a commencé ça? Salut, salut! Ah, ouais, je suis pas mal que tout! Elle m'a rendu la peau avec son homme de sorcière là! La vie de ça, n'importe quoi dès le début! J'ai pas compris, mais. Tu verras, salut, salut! Non, mais. Pas ça! C'est moi qui le dis, c'est pas toi! 1, 2, 3. Salut, salut. Bon, allez, aujourd'hui, j'ai un plan de jour, dis donc. Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo, comme j'avais pas d'idée du tout de vidéo et comme je me suis maquillée pour faire des TikTok et une petite photo Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Snap, d'ailleurs, parce que je suis très active sur Snap et j'avais marre qu'à chaque fois, j'ai obligée de répéter les choses. Suivez-moi partout s'il vous plaît. Même sur TikTok, suivez-moi sur Instagram. Sur Instagram, je suis moins active, mais. Oui, vas-y, continue. Il y a une pointe de nez. Non, t'as des poils. Bon, non, j'ai des poils, ça sert à rien. Non, mais t'as de la moustache, quoi. Ben oui, c'est confinement, on a tous la moustache. Hein. T'en fais partie de la moustache, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que. Chevelu, velu, hein. Allez, donc là on a décidé de faire des petites questions. Alors moi je vous pose des questions mais en fait vous vous répondez. En fait c'est des questions que les enfants en fait c'est des questions que j'ai trouvées sur Facebook. Ouais. C'est des petits tests. Normalement ça avait des bébés qui ont fait ça mais j'ai trouvé que ça pouvait être marrant avec de 10 ans. Ouais, avec des enfants un peu plus grands, j'ai trouvé marrant. Donc en fait c'est des questions que moi je dois leur poser et qui doivent me répondre en fait. Oui, bon allez, vas-y. Ouais. Allez. Première question. Quelque chose que maman dit toujours. Qu'est-ce qu'elle dit toujours? Elle en dit tellement déjà. Je parle beaucoup dans ma vie. Attends, des choses qu'elle dit tout le temps. Il y en a plein, hein, mais. Attends. Des choses que je vous répète tout le temps. Ah, me saoule pas, je suis énervée. Et toi? Et qu'est-ce que c'est que je dis toujours? Est-ce qu'il y a des choses que je dis tout le temps? Tu dis tout le temps, tous les jours la même chose. Ouais, c'est pour ça, parce qu'il y a des choses. Aujourd'hui, je suis énervée, ça c'est le truc de tous les jours. Non. Si, il y a des trucs à dire. Ah oui, j'en ai marre de faire à manger. Ah ouais, j'en ai marre de faire à manger. J'en ai marre de passer ma vie à faire ménage, manger, ménage, manger, ménage, manger. C'est pas ça. C'est vrai. Il y a trop de choses qu'elle dit tout le temps. J'avoue. Wow. Tu te démerdes, ah oui. Maman, je peux avoir ça. Me saoule pas. Maman, je peux aller là. Tu te démerdes. C'est pas vrai, tout le temps. Me saoule pas, tu te démerdes. Ça veut dire oui. Ouais, ma mère a dit me saoule pas ou on verra, ça veut dire oui. Ouais, parce qu'en fait, je vous explique. Comme j'ai pas envie de dire non, comment dire non. Non, non, comme j'ai pas envie de dire oui, j'ai pas envie de me montrer que je suis faible, je dis on verra. Ça veut dire oui. Dès qu'elle dit on verra, c'est un oui. Bref. Qu'est-ce que maman aime? Aime-moi. Qu'est-ce que j'aime dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'elle aime? Sa fille. Ouais. Son fils. Qu'est-ce que t'aimes? Avance-toi un petit peu, t'es dans l'ombre. T'aimes voilà. Te trouver des poils incarnés dans les jambes. Non, j'en ai plus. Ah oui, c'est vrai. J'en ai plus. T'aimes te trouver des boutons sur le corps. Plus de poils. Oh, non, qu'est-ce que j'aime? Crever les boutons. Ouais, crever les boutons. Des jambes. Ah, qu'est-ce que je fais quand vous avez des boutons? Tu perces. Non, mais qu'est-ce que je dis? Non, toi, t'aimes les points noirs. Qu'est-ce que je dis? Jaïn, je le regarde. Je regarde quoi? Jaïn, il est à côté de moi. Ah si, on est en train de regarder un film. On est juste en regardant un film. Je suis comme ça. Je le regarde comme ça et je dis Jaïn, t'as des boutons vieux, on va dans la chambre. Attends, ouais. Qu'est-ce qu'elle aime ça? Rester
rester couché à regarder une série. Rester couché sur le téléphone. Être sur mon téléphone aussi. J'aime bien. Voilà quoi. Ouais, voilà. Après. Troisième question. Ce que maman n'aime pas. Faire à manger. J'en ai marre de faire le ménage. Ouais. Qu'est-ce qu'elle aime pas Qu'on lui dise viens voir. Ah ouais. Elle vient jamais. Maman vient voir. Attends, je suis occupée là. Dans la chambre, elle est sur Instagram. Jamais. Ou alors, je suis bien installée. Ah, tu sais, tu peux aller faire ça s'il te plaît, je suis bien couchée là. Tu sais, elle vient voir. Elle arrive et te voit la lumière. Non, mais des fois, elle m'appelle. Tu sais, j'arrive et tout. Elle me dit, ouais, viens voir, je vais te montrer un truc. Elle me montre un truc, genre, regarde ce qu'il a dit lui. Au lieu de m'envoyer un screen ou quoi, des trucs débiles. Ah, mais dingue. C'est vrai. C'est vrai. Bref. Après, que fait maman pour te faire rire? Rien, elle est pas rigolote. Oh, bah merci. Qu'est-ce qu'elle fait pour me vomir? Elle claque les chaussons. Je lève les pieds. Voilà. À chaque fois qu'on est tranquille et tout, elle part, elle marche comme ça là. Elle se fout du cul. Toi t'es tranquille comme ça, tu lèves les yeux, tu la vois, elle marche pendant une heure. Ouais, jusqu'à quand on la dort. Ou alors elle se met à danser comme ça jusqu'à ce que tu la regardes. C'est n'importe quoi. Arrête, je pleure et tout. Mais t'as rien de faire de rire, non mais. C'est à toi. Qu'est-ce que je fais pour te faire rire? Pareil. Bon. Ouais, faut pareil à nous des tous. Et des chatouilles aussi. Parce que t'aimes pas ça. Ah non. Les chatouilles, tu m'as fait. Ou les avant. Ah, les quoi? Les souris. Oh non, ça j'aime pas ça. Tout le temps, tout à l'heure, au début de la vidéo, j'allais m'asseoir, elle m'a mis le doigt comme ça, elle m'a dit Olive. Génial. Quel âge a maman? 39. Oh, 50 aussi, non? 38. 39. 37. 37, ok, tu l'as. Je croyais 38 ou 39. T'as vu, moi je connais mieux. Ça mérite qu'on aille. Mais. Alors, regarde. Quelle taille elle fait? Maman. Elle fait 58. C'est vieille. Elle fait que nous dire. Ouais. Petite. Moi je fais 1m60 moi. Moi je fais 1m60 moi. C'est pareil. Et toi? Les activités préférées de maman? Dormir. Regardez. Regardez le téléphone. Instagram. Quoi? Jennifer Marine, vous avez vu ce qui s'est passé? Ah, oui. Jennifer Marine. Non mais vous avez vu ce qu'elle a fait elle? Non mais allez voir. Je vous jure, elle a fait ça. Lui il a fait ça. Non mais j'hallucine, t'as vu comment elle parle elle? Ah ouais. Commère. La commère du village. D'ailleurs on a un petit groupe, moi, ma soeur et ma cousine. On s'appelle les commereuses. Voilà. Et en fait, c'est un petit groupe où on a le droit de tout dire et de tout dire. Voilà. Quand on a, quand, en fait, c'est un groupe où quand on est énervé, on vient se lâcher sur ce groupe. Et ça fait, c'est bien. Parce que quand je suis énervée, j'arrive. Ah, je suis énervée. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, raconte. Ah là là. Et, donc, et en plus, vu qu'on n'a pas. En plus, ce qui est bien, c'est que, bon, Jennifer, ça va. On a à peu près le même, la même mentalité. Mais Marine, en fait, elle est un peu à l'opposé de nous. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, on a toujours des discussions. Et du coup, c'est-à-dire que si elle n'est pas d'accord avec nous, on partage une discussion et tout. C'est bien ça. Voilà. Pas toujours la personne d'accord. Préférée de ma mère, commérage. Voilà. Que fait maman quand tu n'es pas là? Ben, on sait pas. Vas-y, sûr. Ben, elle va regretter toute seule. Elle fait son petit plateau repas. Oui. Elle se met devant la télé toute seule comme une mongole. Ben oui, c'est ça. Et elle mange. J'ai fait un petit plateau repas souvent. Voilà. J'aime bien faire mes petits plateaux repas toute seule devant la télé. Ouais. Parce qu'en fait, je me fais un truc vite fait pour manger et je m'emmerde pas et hop. C'est pas longtemps que ça t'est pas arrivé ça. Ah ouais, putain. C'est oui, d'ailleurs, c'est bientôt l'heure de manger pour papa. Ouais, c'est de 7h. Ouais. Maman est bonne à quoi? À dormir. Allez, accroche, les gens vont croire que je fais passer ma vie à dormir. Maman est bonne à. Qu'est-ce qu'elle fait bien? À mettre des olives aux fesses. Tu vois, son fesse, t'as envie de. Brrr. Maman est bonne à ploter. Parce qu'on fait que toucher les seins, les fesses et tout. Ah oui, je suis bonne à toucher quoi. Non mais Chahine, il me touche pas avec toi. Oui, bon, c'est pareil. Chahine, elle est bizarre elle.
bizarre. Je suis bonne à quoi? Ben, je sais pas, vous maman, dire que... ah, je suis bonne ouais. à vous faire des desserts. Elle est bonne à critiquer. Ah, ah oui, on fait que la, la tailler en vrai. Tout le temps on dit, ouais, regarde ses fesses, regarde ses pieds. Oh, les pieds qui sont vilaines. Ça, c'est vrai, ça. Toute la journée. Non, en vrai, un positif. Enfin. Elle réfléchit bien. Ouais, ouais, elle réfléchit bien parce qu'il y en a tellement. Elle est bonne à. C'est pas positif. Je veux dire, elle est bonne à manipuler parce que maman, elle dit toujours oui. Oui, j'ai dit, ma mère, tu veux un truc, tu lui la grattes dans le sens du poil, même si c'est un truc à 3000 euros, elle va me cacher. Ouais, j'économise à part, hein. Alors je le paye en 40 fois. Hein. Ouais, ma mère, elle est bonne à. Comment on peut dire ça? Tu sais, genre en mode tu cèdes tout le temps, mais c'est pas négatif, tu sais. Oui, je vois. Ouais. Bref, on se comprend. Elle est facile à manipuler. Ouais. Ouais, enfin, c'est pas trop ça, mais oui. J'aurais dit toujours oui, quoi. C'est vrai? Et toi, c'est quoi? De quoi? Je sais pas, tu pourrais dire je suis bonne à t'acheter des bonbons ou ouais, parce que... Ouais. À lui acheter tout ce qu'il veut, des bonbons. De quoi tout ce que je veux? Quoi? Le clavier? Non, pas le pied, on dirait qu'il a une écriture chinoise. C'est vrai. Elle a du Corona. C'est quoi ça? La vidéo que j'ai fait Océane. Ah oui. Bref. Ça on l'a fait, ça on l'a fait. On a la question quoi? 10. Déjà? Oui. Ce que maman ne sait pas faire. Ne pas être énervé durant toute une journée. Ah oui, là ça. Si, je me laisse tranquille. Le tagine. Je sais pas faire. Hein? Je sais le pas tagine. Faire le tagine. À chaque fois, il a le goût à l'eau. Non. Si, ça, le goût à l'eau, c'est trop d'épices. Jamais tu sais pas. Ah non, oui, parce que Chahine, je lui fais toujours un tagine sans viande. Ah ok, ok. Donc, du coup, je lui fais un tagine qu'aux légumes et jamais il aime. Parce que soit c'est trop épicé, je mets trop de gingembre. Alors, quand il me dit j'ai trop de gingembre, jamais pas du tout, il me dit c'est goût à l'eau. Maman ne sait pas. Non, c'est, non, tagine il est bon, hein, celui à la viande. D'ailleurs, il y en a plein qui ont dit putain, mais elle, c'est mieux bien cuisiner, mieux que ma femme. Il y en a plein qui ont dit ça à papa. En même temps, ils vont pas dire le contraire. Hein. Ouais, c'est vrai. Attends, qu'est-ce que tu vas me casser? C'est quoi là? Qu'est-ce que maman ne sait pas faire? Elle sait pas dire non, mais ça revient toujours au même. Elle sait pas faire de photos. Elle est pas bonne photographe. Ça, si vous voulez une photo pour votre Insta et qu'il y a ma mère à côté, s'il vous plaît, ne faites pas de photos, c'est mieux pour vous. Ne me demandez pas de vous photographier dans les lieux touristiques. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ma mère aussi, elle mémorise rien. Tu lui dis, ouais, là tu t'arrêtes. Elle va faire ça. Tu t'es pas arrêté. Oh, j'ai oublié. Non, parce que j'ai pas de mémoire, moi. Ah oh, là 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 là. Bref, voilà, c'est plus ce que je disais, mais oui, en gros. J'oublie tout. Elle sait pas faire du sport tous les jours aussi parce qu'elle veut jamais avec moi. C'est que j'ai un gros casque sur la tête. Oui, t'as un gros casque. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu t'es douché, c'est pour ça. Tu t'es douché, mais tu t'es pas coiffé. Non. Quel est le travail de maman? Faire à manger. Quoi? Non, mais le vrai travail. Influenceuse. Ah ouais, j'allais dire que tu connais pas mon travail. J'ai oublié le nom en fait. Quel est mon travail? Quoi? Mais tu sais pas. Elle s'occupe de Chahine. Ouais, c'est vrai, en plus, elle travaille à mi-temps. Je m'occupe de toi, je t'amène partout, tous tes rendez-vous et tout. Ouais, à mi-temps. Oui, à mi-temps. Je m'occupe de toi à mi-temps. Je t'amène à tous tes rendez-vous. Que tu veux plus y aller d'ailleurs. T'en as eu marre. Qu'est-ce que maman préfère manger? Quel est le plat préféré de maman? Pour tout. Ah, c'est vrai, j'aime tout moi, tellement que ça se voit. Les œufs tomates, les brochettes, les brochettes d'abats, le foie gras, les huîtres, tout ce qui est dégueulasse quoi. Tout ce que personne aime, l'estomac du mouton, elle aime, va savoir où elle trouve ça. Le mouton, j'adore. Les côtelettes. Qu'est-ce que t'aimes et que personne aime? Les brocolis, les. Chahine, il adore les brocolis. J'aime tout. Tout ce qui est acide, oh, oh c'est bon. Mmh. Chahine aussi, il aime. Chahine, il aime tout aussi. Il aime les abats, c'est que... les brochettes. Il aime tout, Chahine aussi. Quoi ouais. Non, moi, j'aime tout, en vrai. Presque tout, presque. Pas tout, tout. T'aimes pas les lentilles, t'aimes pas les pois cassés, t'aimes pas... J'aime pas les lentilles et les pois cassés parce que ça me... Les lentilles, elle a dit que ça avait le goût au fer. Ouais. J'ai l'impression que je mange ma boucle d'oreille quand je mange des lentilles. Mmh. Bon ouais. Voilà, j'aime tout en fait. J'ai ouais. Pas de préférence. Que fait-on quand on est ensemble? On regarde la télé. C'est
C'est ce que j'allais dire. On fait pas des sorties, non? Ouais, on va au magasin. Oui, mais pas Shein. Non, pas Shein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été au magasin. Ah ouais. Ah ouais. Chérie, la première sortie, on va au magasin. On va au magasin, on va regarder la télé. Bientôt l'école. Je vais au cinéma avec tes scènes. Ah ouais, c'est le cinéma d'ailleurs, ça fait longtemps. En juin. En juin. C'est pas parce qu'elle a le permis et la voiture que vous allez vous balader toute la journée. Ça fait 3 mois qu'on doit aller au cinéma. Eh, trampoline park, t'as oublié les places avant se périmer. Non mais là ça compte pas, à mon avis, les 3 mois ils comptent pas là. Je sais pas. Les 2 mois, mais je vais leur dire. Hein. Bah bien sûr. Ouais, parce qu'on est à la trampoline park et Shane s'est cassé la cheville. Oui, et du coup, bah, ils nous ont offert 2 heures. On en était où? Parce que du coup, j'ai eu ma carte, elle était pleine. On en était à qu'est-ce que fait-on ensemble? Ah oui, donc je disais, c'est pas trouble? Attends, je veux dire. Ouais, c'est ça. T'as pas de manger des bonbons? T'as pas le droit de manger des bonbons, Norma? Monsieur Mounet. Shaïn, il mange des carambars. Ouais, alors quand vous le voyez, parce que moi, voilà, et lui, vous l'avez dit, il avait les dents propres, alors dites-lui, là, les dents, ça mène. Hein. Oh, un petit dernier pour la compagnie. Oh, un petit dernier, la magie 12. Attends. Assieds-toi. Deux secondes. Oh, c'est bref, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On regarde Koh-Lanta ensemble. On regarde les séries des fois. Ouais, on fait à manger. Ouais. Dans la série, moi, je regarde plus avec Tissène. Ouais, on sort dehors. On fait les vacances ensemble. Ouais. Les seuls moments où on est vraiment tout le temps ensemble, c'est les vacances. Sinon, ouais. On est chacun dans notre... Ouais, parce que Shaïn, il aime pas sortir. Shaïn, il n'a pas les mêmes goûts que nous en question de télé, tout ça, donc voilà. Ouais. Bref. Il reste qu'une seule question. Une seule question. Comment sais-tu que maman t'aime? Le marché est plein de choses. Parce qu'elle dit toujours oui. Et alors? Eh ben, tu dis pas oui à quelqu'un qui t'aime pas. Ouais. Ah, c'est que pour ça? Ben, elle dit toujours oui. Hein. Non, on pourrait dire un truc mignon quand même. Oula. Parce qu'on est ses enfants. Parce qu'elle fait attention à nous, c'est normal. Quand on va... Ouais, elle fait attention à nous, même nous. Elle dit pas en fait. Genre, ma mère, elle dit pas les trucs. Ouais, ma mère, elle dit rien. Elle est là, ouais. Ne me dis pas qu'on voit mon ventre depuis tout à l'heure. Je sais pas. Et voilà quoi. Encadrer. Ouais, je sais pas. Ouais. Commencer, pas par les mots parce que ma mère. Pas par les gestes, ma mère est pas tactile. Hein. Non, moi j'aime pas qu'on me touche moi. Ah ouais. Oh là. Stress, quand quelqu'un me touche et tout, ça me. Le son des chahines, des fois il arrive, il fait. Lâche-moi. Non, c'est pas vrai. Maman. Ouais, des fois. Ouais. Le seul truc que j'aime quand me touche, c'est quand on fait des dessins dans le dos. Hein. Ouais. Que par intérêt. Ah putain. On me caresse les cheveux jamais. Faut y aller. Non ça va. Tu peux me les faire à moi. Pourquoi tu me le fais jamais? Parce que t'as le crâne sale toi. Ça je suis d'accord, à chaque fois elle enlève des pelures ou je sais pas quoi de sa tête là. Comme une couette. Démange quand, alors que je les lave, c'est pas des poux, venez pas me dire, ah, elle a des poux. Genre, j'ai tout le temps le crâne comme s'il était sale, et j'ai tout irrité. Il fait tout le temps des croûtes, mon crâne. C'est pas des pellicules? Non, parce que quand je gratte mon crâne comme ça, j'ai des croûtes. C'est l'eczéma, je crois. Hein? C'est l'eczéma, je crois. Je sais pas. Mais t'as été voir la dermatologue? Ah oui, elle m'a regardé, je fais quoi? Tout est normal. Tout est normal, j'ai le crâne qui démange, ça fait 3 mois. Faut prendre un shampoing doux. Elle m'avait prescrit des shampoings, un shampoing, un après-shampoing. C'était 200 ml, 22 euros. Oui, il y a des Ducré. Je sais pas. Mais là, c'est pas cher, les Ducré et tout ça, ils sont pas chers. Bref, voilà. Voilà, c'est fini. Donc, on a terminé. Comme ça, tu dis. J'ai pas le tactile. On a terminé. Faut qu'on fasse un TikTok. On en a fait plein de TikTok aujourd'hui. Ah oui, un TikTok de la danse. Et oui, de la farine. Ah oui, on va faire ça. Oh là. T'es pas trop grave, c'est plus grave pour mon ventre.
On va faire les TikTok, on va faire un dernier TikTok de Farine. Ouais. Non, deux, et celui de Madance aussi. On ne t'a pas dit deux. Et commencez pas à dire, ouais, vous aussi vous êtes mis sur TikTok, hein, je vous le dis. Ouais, on a un TikTok depuis 2016, hein. On a un TikTok depuis 2016. Mon frère, il allait faire de la plongée, là, on était sur les gradins en train de danser. Ça s'appelait Musical.ly. Ça s'appelait Musical.ly et on était déjà sur TikTok et là on a bien repris au mois de octobre qu'on a fait le meet-up. Ouais, bah, dès que Fabien nous a chauffé quoi. Ouais, dès que Fabien et Déjanté nous ont chauffé, on a repris TikTok, donc je pense qu'on a copié personne, c'est les gens qui nous ont copié. Nous on a copié les grands et voilà. Les petits nous ont copié. Voilà, quel culot. Même si on n'a pas trop d'abonnés, c'est déjà bien. Bon, allez. Bref. On va se laisser là et puis on fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt hein, pour une prochaine vidéo, je sais pas quand parce que là je vais me démaquiller, je vais rester démaquillée pendant 6 semaines. Ouais voilà. Bref, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ah allez, on va faire la farine. Non, d'abord mon TikTok.